Bandeko, bozali komona ba kidnapping oyo ezali kosalema na ville ya Kinshasa, ezali kosala biso pasi. Pasi pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants qui viennent même assister à des procès pour voir comment les procès se déroulent. Pour moi, c'est une honte. Pour moi, c'est une honte. Aujourd'hui, bozali kolobela ba kidnapping oyo, qui n'est que iceberg de le problème du problème. Sinon, des problèmes qui gangrènent notre société. Batu nyonso bazali koloba, bazali kotelemela, batu baye kotala procès oyo. Mais batu nyonso wana bazali kosamba eza bala na bango ya liboso te bakangama. Ezali bala na bango ya liboso te bakangama. C'est pour la énième fois que bazali kokanga bango. Donc bomoni que problème ya kidnapping ezali musika ezali ko uta musika uta ba pesa biso dipanda 63 ans ya ngoyo bandeko pona problème oyo esila esengeli to diagnostiquer malamu e uti wapi e komi niveau nini e loko nini ya kosala. Observez bien, botala bien société na biso. Société na biso mutu nyonso aza kuluna na niveau na ye. Mutu nyonso azali koyiba na niveau na ye. To bandana na bawenze na biso ya mike mike. Na bawenze batu bazali koteka tomate ya kopola, asangisi na tomate bien, atie tomate bien likolo. Atie tomate akopola na se. Soko sombi tomate okangi misu, ero kokoma na ndako kokuta ba tomate akopola. Komi tuna me o. Tomate akopola oyo euti wapi? Parce que er ya sotekela yo tomate na wenze, ero zali kotala tomate, zali kotmona tomate bien. Ero pesi mbongo sachet atie lo tomate wana na sachet apesa yo. Asali ki kuluna na yekuna na wenze atie lio ba tomate ya kopola. Botala ba mama oyo bazali koteka sukali. Na loso. Na sakombi ya loso batie biloko na kati ya sakombi. Yo zali komona lidzanza munene oyo bazali kotekela yo. Me ero zo pesa mbongo po batie la yo loso. Nzoka ne lidzanza wana batie tie biloko na kati. Iko pesa yo loso na moitié ya capacité ya linzanza yo zo mona wana ya sakombi wana. Donc bande ko problème oyo ya kikuluna ezali à tous les niveaux. Ezali à tous les niveaux. OK na école na mon yebisaki bino histoire moko na école. Basengi mbongo moko boye na bana na inspection directeur a komi na école a ABC ba professeur OK bosenga mbongo montant boye 1000 dollars 1000 francs na mwana nyonso pona frais songolo enseignant a komi na classe A lobi bo mema 1500 a ABC bana nyonso lobi bo mema 1500 pona problème songolo. Moi na komi na ndaku a ibisi mama mama il faut qu'on paye sa bon ou bien a ibisi papa le bin école ba 5 biso 2000 dollars 2000 francs er papa koya ou bien er mama kozonga non moi na ba 5 mbongo na classe 2500 mama ou bien papa a pesi moi na komi na classe. Lokola enseignant sengaki mama soki mama ba pesaki mama mbongo 2500 ou bien ba pesaki papa 2500 papa kozwa 500 na ye apesi mwana 2000 mwana azu 500 na ye apesi enseignant 1500 enseignant azu 500 na ye apesi directeur 500 directeur kuna ba pesaki ezali 500 ye pe abakisaki 500 na ye. Donc le problème de la corruption ya kikuluna ezali à tous les niveaux
de notre société. Batu bazali ko signer mikanda ya mbula matadi na nganda. Atiki bureau kuna e bazo memela na dossier na nganda. Ces choses là se passent au vu et au su de tout le monde. Les loyo on égorge les gens. On kidnappe les gens et les gens s'élèvent comme si c'était un phénomène nouveau. Rien n'est nouveau dans ce pays là. Nous avons atteint le sommet de l'imbécilité. Nous avons atteint le sommet de la corruption. Alors une solution s'impose. Il faut un État fort. Un État fort qui sanctionne Awana Poto. Ce n'est pas parce que Awana Poto Bato Bazali Ndenge Moussous que Bato Bazana Congo. To kesenite to za batu moko. Mentalité zali moko. Ezali a présence ya loi ndo ezo dissuade biso to sala kama bété. Parce que on sévit, la loi sévit. Il y a l'État qui est omniprésent. Comment voulez-vous que bazo encaisse mbongo na kati ya wenze, mbongo e bazo kwankisa na ezo komate na kesa l'État. Et vous voulez que les gens qui n'ont pas la possibilité et d'encaisser de l'argent et de voler, qu'est-ce qu'ils voudront bien faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Ce n'est pas les kidnappings, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire là. Aujourd'hui, le problème revient à renforcer l'autorité de l'État à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, Toluka, il faut fouiller. Regardons nos problèmes en face. Ecosila, il n'y a pas un problème éternel. Ecosila. Moi, j'ai vu dans la ville de Kinshasa, les gens s'alignaient pour monter dans un autobus. Et c'était possible. Et pas plus loin qu'en 97. Donc, Bandeko, Tolobé là-bas, dirigeant Nabisso, va instaurer autorité de l'État. Va instaurer autorité de l'État. Tout le monde veut la vie facile. Mais vie à facile et à la caté. Vie à facile, ça ne peut qu'amener à des actes comme bah kidnapping, comme bah vol, comme bah viol, comme tous les mots dont nous connaissons dans notre pays, et à lui dû à l'absence de l'État. Même là où la présence de l'État est forte, il y a des crimes. À plus forte raison, là où il y a l'inexistence, la présence de l'État. Et c'est ce que je termine pour dire que c'est ce à quoi le régime de l'AFDL venu du Rwanda nous a amené Baboma Kimboka. Je continue à toujours à marteler que Kabila a réussi sa mission parce qu'il a fait toucher notre pays le fond dans tous les domaines. Et aujourd'hui, nous récoltons la résultante. Tous ces jeunes-là, pendant 18 ans, Batangate, Chancelo Kopamba. Et aujourd'hui, nous récoltons le prix. C'est pourquoi il faut soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi pour que ce pays-là ait zonga na mulongo. Et c'est possible. Merci, Bandeko. Partagez notre vidéo et abonnez-vous massivement. Et à la prochaine. Nayaki Awa, pour nako sa la pêche, c'est... Nenge bozali komona, ezali esika ya pêche. Nayaki pour nako sa la pêche. Bota là. C'est bien aménagé pour la pêche. Je ne suis pas seul. Il y a plusieurs personnes qui sont venues pour faire la pêche.